Chabot Charny. Nous allons bien sûr parler fleurs, nous allons parler des moyens pour les entretenir, les conserver, la façon de les tailler. On va vous donner une somme de conseils et nous allons balayer, bien entendu, ce que vous saviez ou pensiez savoir et qui est souvent inutile pour conserver vos fleurs. Alors, nous y allons, nous mettons en route. Avant de commencer quoi que ce soit, Fabrice va étaler ses fleurs qui vont composer son bouquet, un bouquet qui sera planté dans la mousse et en hauteur. Enfin, une petite leçon de choses pour savoir et reconnaître ou non les fleurs. Apparemment, vous le connaissez certainement toutes ces fleurs. En plus, vous habitez la région. Donc, vous lisez le journal. Fabrice, on fait tout simplement. On y va, on attaque. Dans une vingtaine de minutes, quinzaine de minutes, vingtaine de minutes, on connaîtra le nom de l'heureux ou de l'heureuse gagnante de cette composition que Fabrice va réaliser en direct devant nous sur le stand de notre journal. Alors, on va déjà parler de la fameuse mousse. Comme tout homme ou alors profane que nous sommes, ce que nous ferions, c'est prendre la mousse sèche, l'enfoncer, bien la tasser, et se dire, maintenant je vais l'humidifier. J'ai tout faux. Comment ? Exactement. En fait, la mousse hydrophile, mousse mouillable de fleuriste, donc elle est sèche à la base, et il faut la faire tremper dans une bassine, un seau, environ une minute. Et ensuite, on la travaille, voilà, exactement, avec le contenant qu'on a. Très bien. Alors, on va parler des fleurs que tu vas utiliser. Donc, on a la rose, c'est une rose d'Équateur ? Voilà, exactement, la rose Espérance d'Équateur, du Kenya. Et surtout d'Équateur, c'est Équateur. Alors, on apprend maintenant que les plus belles roses viennent d'Équateur. Les raisons, je crois qu'il y a l'altitude, la luminosité. Oui, tout à fait. Entre autres. Alors, si je veux entretenir une rose, je veux qu'elle perdure. Si je veux qu'elle perdure, cette rose, qu'est-ce que je devrais faire, surtout faire, et ne pas faire, mais surtout faire? Alors, surtout faire, en fait, la couper en biseau, comme ceci, avec un couteau, jamais au sécateur, pour ne pas abîmer la structure de la tige. Les roses s'offrent toujours en nombre impair, sauf à partir de la dizaine. Mais, messieurs, si l'on veut se faire pardonner quelque chose, on a beaucoup de choses à se faire pardonner, pas tant que ça, je vais offrir cette rose à la personne pour laquelle j'ai des sentiments. Pour quelle raison je vais lui offrir cette rose et pas 9 roses et pas 5 roses? Pourquoi 7? Comment? Non, pas forcément trompé, on peut y avoir. Non, mais 7 roses. Pourquoi 7 roses et pas 9 roses et pas 5 roses? Pourquoi 7? Les jours de la semaine. Parce que 6 roses, c'est vrai. Ouais. Ça, là. Non, mais c'est pour être un nombre impair. Pourquoi 7 et pas 5 et pas 9? C'est 6 roses. Les jours de la semaine. Les jours de la semaine, non. Non. La cirrhose. Ah, tu m'as offert une belle de cirrhose, Odia. Dis donc, au fait, pour la Saint-Valentin, qu'est-ce que t'as offert? Des roses. Des roses, combien? Une quinzaine. Une quinzaine quand même? Ah, t'as cassé le porte-monnaie là. Ah, oui, oui. Non, t'avais des choses à te faire pardonner. C'était pas mon portefeuille. Comment? C'était pas ton portefeuille, c'était le carnet de chèque familial. Une rose par jour. Non, pas une rose par jour quand même. Alors, je vais vous le dire. 7 roses égale les 7 lettres de je t'aime. C'est pas de moi. Non, c'est dommage. C'est pas de moi, je vous le dis. C'est pas de moi. Vous le savez? Oui. Il le savait aussi. Ah, ouais, la plupart des fleuristes. C'est Lucky. Comment? C'est Lucky. Oui. Ensuite, on va utiliser. L'apostrophe, ça compte pas l'apostrophe, c'est pas une lettre. Mamie, l'apostrophe, c'est une erreur de la vie. Ah bon. Alice asiatique vert. Comment? Alice asiatique vert. Alice asiatique. Et il vient d'où lui? Bon, d'Asie quand même. Non. Et là nous aurons
Gerbera. Gerbera. Ne pas confondre avec Germini. C'est un peu plus gros, hein, Gerbera. Et là, Robinini. Comment? Robinini. Oui, oui, vous le savez. C'est une variété de palmier phénix qu'on trouve chez nous. Ok. Donc là, tu as dû composer un bouquet, planté, piqué. Alors j'ai vu que tu avais déjà préparé tes tiges, effectivement, prêtes à être plantées pour que ça, aille, ça soit plus rapide. Aujourd'hui, un fleuriste, un artisan fleuriste, n'est pas un vendeur de fleurs, c'est surtout l'artiste dans le plus sens, du terme. Mais mesdames et messieurs, on va surtout vous poser d'autres questions. Comment entretenir vos tulipes? Quelles sont les astuces pour entretenir les tulipes? Piquer à la base de la tête. Les mettre dans le frigo, oui, entre autres. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai jamais entendu ça. Ben écoute, vous savez, pour conserver les mamies, on les met dans le frigo, mais pas trop longtemps quand même. Hein. Non, il y a alors la pièce, qu'est-ce que tu en penses de la pièce? À l'époque, oui. Les anciennes pièces. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, tout simplement, je crois les couper. Et très peu d'eau dans le vase et les garder au frais. Mais fleuriste, je crois que vous avez dit dans le frigo. Entre autres. Voilà, on va appuyer bien sûr ces fameuses que l'on voit dans notre espace. Les fleurs exotiques qui est là de l'autre côté. Où il y a... Les roses de porcelaine. Non, pas les roses de porcelaine. Les orchidées. Les orchidées. Comment entretenir une orchidée? Rien ne passe sur l'orchidée en pot, ben en fait, on l'arrose en général une fois par semaine. On la baigne ou on l'arrose? On la baigne environ 5 minutes dans une bassine. On la ressort. À fontaine douche. Et en fait, il ne faut pas l'arroser, il faut peut-être même l'humidifier. Ah oui, je m'en doute. Okay. Et surtout ne pas mettre un cache-pot, il faut mettre un cache-pot en verre pour surtout pas cacher les racines. Allez, on y va, nous attaquons pour la composition. Donc les fleurs centrales vont être en fait des... Ça va être un dégradé en fait de lys, de rose et de gerbera. Un dégradé. Fabrice, Dijon. Voilà, est-ce que vous avez des questions à poser sur l'entretien de vos plantes ou de vos fleurs à la maison? C'est important, très important, parce qu'on peut faire beaucoup d'erreurs. Vous avez l'opportunité de rencontrer un professionnel qui lui va rectifier le tir et vous donner les bons conseils. Pour les roses, il faut enlever les épines aussi. Il faut enlever les épines, bien sûr, oui, bien entendu, oui. Mais je crois que les fleuristes le font au magasin. La première tâche, c'est de nettoyer les fleurs, de les épiner, d'enlever les feuilles pour certaines, avant de les proposer à la vente. Et là, c'est de... C'est un polygonome sec. Voilà, tout à fait. C'est un bambou de la renouée qu'on trouve chez nous au bord des rivières, dans les jardins. Okay. Avez-vous des questions à poser? Pas de questions à poser? Rien, tout va bien chez vous? Les fleurs? Oui? C'est votre mari? Non. C'est mon ami. Vous avez des questions posées sur l'orchidée? Alors, sur l'orchidée ne fleurit pas, madame. Mais est-ce qu'elle fait des feuilles? Elle fait des feuilles, donc elle se porte bien. Mais pourquoi elle ne fleurit pas, entre autres? Il faut l'hiver la laisser hiberner, en fait, au frais. Donc, moins la faire baigner et lui apporter de l'engrais. Oui. Elle est dans un cache-pot. Elle n'est pas là. Voilà, elle n'a pas de lumière. Le cache-pot est transparent? Ah ben voilà, commencez par ça. Entre autres. C'est les racines. C'est les racines, bien sûr. Qui prend la chlorophylle. Oui. Regardez, c'est déjà sympa. Le métier a beaucoup évolué. Un fleuriste travaille selon son humeur, mais également avec les fleurs de saison. Regardez, il faut avoir quand même de l'imagination. Arrivé ici, il travaille avec les matériaux qu'il a amenés.
on a déjà une perspective assez sympa. Avez-vous d'autres conseils? Alors, on a donné un conseil il y a quelques instants pour le cache-pot. Est-ce que vous avez d'autres conseils à demander sur même vos plantes? Même vos plantes. Mais comment on peut conserver une azalée? Comment conserver une azalée? Parce que c'est très difficile. Hein. Alors, l'azalée, qu'est-ce que tu penses? Il nous donne comme conseil. Alors, l'azalée dure en général 3-4 mois maximum. Ah voilà, oui. Après, les feuilles tombent. Oui, tout à fait, après elle meurt. Et voilà. On arrive à les conserver. Mais moi, j'y arrive pas. 3-4 mois. C'est déjà bien. Oui. Ah oui, voilà. L'azalée du jardin, on la conserve. Ah oui. Ah ben oui. Le fleuriste. Avez-vous d'autres conseils à demander? Orchidée, azalée. Un petit quoi? Un petit bonsaï, oui. Est-ce qu'il faut que la terre soit toujours sèche? Est-ce qu'il faut que la terre soit toujours bien sèche pour un bonsaï? Il perd ses feuilles? Alors. Attendez, vas-y. D'accord, il y a combien d'années? 4 ans. Faudrait... Vous l'avez rempoté? Oui, il faudrait penser à le rempoter. Non, terre à bonsaï. Oui. Le rempoter. Oui, entre deux arrosages. Oui. Mais l'humidifier, oui. Modifier les feuilles. Les feuilles et le terreau. Et le terreau. Voilà. Vous voyez, encore une erreur, c'est ça. Nous avons un professionnel, un conseil. Il y a les cartes. Il n'y a pas d'engrais à mettre? Comment? Qu'est-ce qu'il y a d'engrais à mettre? Un petit peu quand même. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, si vous voulez, prenez. Hein? Alors, vous pouvez prendre ces cartes. On va parler, bien sûr, l'un ou l'une d'entre vous va repartir avec cette très belle composition. Si je parlais de la valeur marchande en magasin, il coupe les queues. On va donner un prix générique. Le prix de cette composition en magasin terminé. 60 euros. 60 euros. L'un ou l'une d'entre vous va repartir avec cette composition d'une valeur de 60 euros. Des professionnels, des artisans. C'est les derniers bulletins que j'accepte, après c'est fini. Hein. Je vais vous aider. Voilà. Après c'est dimanche, si vous voulez. Comment? Après c'est dimanche, si vous voulez. Sylvie, on a le photographe qui va venir, le journaliste, qui vient d'arriver. Alors, vous avez vu comme il a fait? On va vous la représenter. Hein. Oui, mais un bouquet, il a toujours une face. Un bouquet a toujours une face. Oui, oui, tout à fait. Là, c'est ma face. Oui, 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 bah, là, nous, on a l'envers. Voilà, oui, oui, l'envers, voilà. Oui, l'envers. L'idée est quand même assez sympa. L'inspiration. Bien entendu, il y a quand même des bases. Mais empiler les trois roses sur le côté. Avec un dégradé, une sorte de rampe d'escalier, c'est assez sympa. C'est un artisan, c'est pas un vendeur de fleurs. Oui. Est-ce que tu participes à des concours? Non. Non. Pas encore. Il faut. Ça prend du temps, hein. Je vous laisse admirer. Et là, on a le panache de la composition. Ce panache qui nous donne du volume. On va le mettre de côté. Pas de conseils, tout va très bien. Vous savez ce qu'il faut faire pour vos fleurs, vos plantes. Cette composition, je vais l'offrir pour quelles circonstances?
pour toutes les occasions, anniversaire, mariage. Fête des mères. Fête des mères. Comment ? Alors, pour conserver, déjà, c'est toujours des fleurs coupées. Il y a la mousse, l'eau existe déjà. Donc, vous n'avez pas à les recouper. Pas les recouper. En fait, la tige craint l'air libre, puisqu'en fait, va se constituer une pellicule qui va l'empêcher de respirer. À partir du moment où elle est dans la mousse, tranquille. Alors, humidifier la mousse tous les deux jours, trois jours. Bah, vous c'est ça ? Oui. Oui, mais tous les deux, trois jours. C'est tous les deux, trois jours. L'humidifier, mais pas la gorgée d'eau à ce que l'œuvre. Hein. Alors, là aussi, ne jamais humidifier les roses. Parce que vous allez créer des taches. Ah oui, vaporiser. Comment ? Ne pas vaporiser l'eau. Surtout pas d'eau sur les roses, voilà. Elle prend forme, elle est terminée. Qu'est-ce que ça engendre de suite ? Applaudissements. Regardez, hein, quelques instants. Lève-la un petit peu. Lève-la. Regardez, mesdames et messieurs, c'est pas beau. L'un ou l'une d'entre vous va repartir avec. Je vais demander à notre stagiaire de venir vers nous. Et tu vas bien, procéder au tirage au sort. Comme ça, nous avons une personne tout à fait neutre. Sylvie a fait ce matin. Je vais tourner, bien sûr, je vais touiller, mais il sait le faire aussi. Hein.